Effectivement, on est là dans une zone idéale du marais breton, aussi bien pour l'hivernage que pour la reproduction des oiseaux d'eau. Bon, premièrement, il y a de l'eau, hein, ce qui est un minimum, mais ce n'est pas toujours évident d'en conserver, notamment en début de printemps. Pour le moment, la zone n'est pas pâturée, mais va l'être par des bovins, hein, ce qui est l'idéal, et de façon très extensive, un chargement très faible. Vous pouvez voir qu'il y a de la pente douce. La pente douce, bon, bah, idéale, puisque ça permet d'accueillir tout le cortège des oiseaux d'eau. Et puis, il y a une végétation qui est assez hétérogène, qui est hygrophile, et qui donc bah, va parfaitement convenir aux oiseaux d'eau, notamment aux productions. Si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la richesse du sol, couplée à l'entretien du marais, propose aux oiseaux tout ce dont ils ont besoin. Ouais, donc là, en fait, tu vois, j'ai taraudé pour prendre la terre superficielle juste au-dessus de, juste en dessous de la prairie. Bon, là, alors là, on dirait pas, ça ne le voit pas très bien forcément, mais il y a des milliers de graines en fait, des léocarides, hein, donc c'est une espèce très classique, c'est la sirpe des marais. Voilà, et donc forcément, pour que les oiseaux aient accès à ces graines, si tu mets 80 cm d'eau, bah, voilà, ça ne va pas être possible. D'où l'intérêt en fait, de maintenir toutes ces mares ou ces prairies humides en hiver, puisque le régime d'un certain nombre d'oiseaux, et notamment des anatidés, hein, donc la plupart chassables, hein, que ce soit les colverts ou les sarcelles notamment, vont aller se nourrir de ces graines. Hein. C'est un régime essentiellement granivore. Ensuite, pendant la période de reproduction, ils vont rebasculer sur des aliments plus protéinés, donc de la microfaune notamment, les larves de chironomes, quelques ostracodes, voilà. On arrive à la fin de cette émission, on a fait cette petite transition en douceur entre la chasse, la gestion des zones humides, de la biodiversité grâce à toi Sébastien. Un mot de conclusion pour finir sur ce marais par exemple. Bah, tout simplement pour dire que c'est une zone humide qui est caractéristique d'une activité cynégétique et de l'élevage, et que cette activité cynégétique n'est pas du tout opposée à la biodiversité, je dirais même maintenant que ça devient une condition sine qua non, étant donné qu'on a une perte majeure de zones humides en France. Donc certes, certains nous diront que, voilà, que la chasse peut être une menace sur certaines populations, mais enlever cette pratique fera qu'on perdra certainement des dizaines de milliers d'hectares de zones humides en France. Bon, et pour en profiter, je vous le rappelle, vous avez aujourd'hui, dans quelques jours, la Journée mondiale des zones humides partout en France. Les fédérations de chasse notamment ouvrent leur territoire et vont vous faire visiter ces territoires. Je vous invite vraiment à vous y rendre avec un appareil photo, des jumelles, des bottes évidemment. Je vous donne rendez-vous pour ma part le mois prochain pour une nouvelle émission en direct des territoires. À bientôt.